en Revilvolt. Hop. Génial. Oui. On va pouvoir mettre notre petite boule violette. Pouf. Salut, coucou, comment ça va? Le jeu aura duré 2 soirs? Bah, je sais pas. Ouais, possiblement. C'est pas un long jeu? Bah, je sais pas, hein, peut-être pas. Hein. J'ai l'impression que j'arrive à la fin, mais après... Bah, écoute, ça va aussi. Je crois avoir vu que t'as streamé aujourd'hui, il me semble. Je suis désolée, j'ai travaillé, du coup, j'ai pas pu passer. Ah, ce sont les anciens. Ouais, je pense qu'on est vraiment à la fin du jeu. Ça, c'est les monstres qu'on a battus, là, qui sont autour de nous. Oh merde, là j'ai libéré aucun ancêtre. Oh, c'est trop triste. Ah, j'en ai libéré qu'un seul sur deux. Ouais, c'est ça, hein, j'en ai loupé plein des ancêtres. Et là j'en ai, pareil, qu'un seul sur deux aussi. Oups. Hier t'as battu Malenia, mais trop bien. Oui, mais je pars demain, donc je ne pourrai pas pendant un mois. Un moment. Ah ouais. T'as bien profité alors de ton dernier moment. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je crois vraiment là qu'on est à la fin. Je pense avoir. Félicitations à toi. Ça a été ta first try aujourd'hui ou pas? Ah non, hier, pardon. Il y en a 4 que j'ai pas eu. Un peu la honte. On va retourner voir dans la boule violette. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, ouais, j'ai plein de trucs ici à faire. Ok, alors on va ramener la boule orange, la boule verte. Hop, les redéposer ici. Paf, la boule verte. Je la redépose là. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. On retourne de l'autre côté, on prend la blanche. On a découvert les pouvoirs de la blanche. Je sais plus si c'était là. Hier, j'ai suivi le conseil de Ruben. J'ai amélioré mon arme. Et après amélioration, j'ai réussi et je l'ai first try. Wow. Ah oui, donc c'était ça en fait le problème. En tout cas, l'un des problèmes. Wow. Pardon, je me rebalade vite fait pour me rappeler de ce monde. Et il est quand même particulier ce monde. Hein. C'est très organique. Alors. Qu'est-ce que ça me fait ça du coup? Je vais pouvoir y mettre toutes mes boules dessus, c'est bien. T'étais tellement heureux, bah oui, tu m'étonnes. On va chercher la petite boule orange. Là, je peux pas, non. Je sais plus si c'était là, Poupou, au dernier live sur Cocoon. Oh bah, ça m'emmène mes autres... Mes bouboules. Rendez-moi mes boules. Mais en gros, chaque boule me donne un pouvoir, entre guillemets. 7h30. T'as passé 7h30 juste sur elle? Sérieux? Oh là, faut être courageux, hein. Ah. Donc là, je suis bloquée. Bloquée ici, blanche. Hop, on tire là-dedans. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait ça, très bien. Ok, non, bah ça peut pas être la blanche, puisque c'est la blanche qui fait bouger la plateforme. Ou alors si. Attends, je sais pas. Euh...
Vas-y, j'emmène ça là. Non, ah, ok. Je dépose la blanche là. Je passe à trave. Je peux pas y aller avec la boule. Je prends ma petite boule orange. Et voilà. T'avais pas pu être là tout le stream et j'étais passé bien une heure. Ah oui. Ok, ouais, donc t'avais un petit peu vu comment ça fonctionnait le tout. Donc là j'ai mes petites boules. Bah, en fait on va refaire pareil pour balancer la boule verte de l'autre côté, je suppose. Ah, je peux peut-être pas en fait. Je peux pas ramener la plateforme. J'ai pas l'impression, je vois rien pour l'actionner. Ah! Bah si, il va falloir que je ramène une autre boule. Donc, comment je fais pour actionner la plateforme? Ah oui, non, mais je suis bête. Oh là là, voilà. Elle a un grain. Voilà, il suffit juste de redonner un petit coup dedans. Voilà. Je dépose ça. Je prends ça que je dépose là. Et t'as passé un bon dimanche, ça va? Ok, donc je redépose ça là. Et on va chercher la petite boule verte. Ouf, ah oui, carrément. Ah ouais, mais là, je suis obligée d'abandonner ma boule blanche. Ils se foutent de ma gueule? C'est ma boule la plus puissante. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, on dépose deux boules là. Donc là, j'ai besoin de ma boule orange pour avancer. Ah, mais j'ai besoin de ma boule turquoise après. D'accord, donc là je suis dans mon monde, dans le monde de la boule turquoise. Comment je fais? Il faut que j'ai la boule turquoise. Comment je fais? Ah ouais, c'est ça, j'ai besoin d'une autre boule à côté. Sauf que... Comment je fais pour la récupérer, ma turquoise? Ah bah si, mais non, mais... Oh, qu'elle est bête. Elle est bête, voilà. Tout simplement. Par contre, ma boule blanche, là, je crois que c'est ciao. Hein. Je pense pas que je vais pouvoir la récupérer. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà. On la dépose là. Alors, attends. Parce que là, c'est bloqué. Elle est de l'autre côté... J'ai plus moyen de l'actionner et là je suis maintenant bloquée. Bon, eh bien nous verrons. Allez. Sauf que maintenant, comment je fais pour récupérer ma petite bouboule? Ah, je pense savoir. Ah non, je m'attendais pas à ça. Ah oui, mais c'est pas grave, je peux quand même récupérer ma boule verte. Ah ? Ah, j'ai deux boules maintenant. Ah oui, d'accord, j'ai une mise en abîme dans mes boules. C'est comme dans Outer Wilds. Que peut-être que je devrais plutôt récupérer celle qui a une boule, qui a toutes mes boules dedans, je sais pas. Putain, c'est marrant. Bah ouais, j'ai dû piquer la orange apparemment, et même la verte. T'as vu, il y a la verte dedans, j'ai fait une mise en abîme.
Je fais comme... je fais une faille temporelle, comme dans Outer Wilds. Ok, bien cool. Je regarde. Du coup, j'ai envie d'aller voir à l'intérieur si j'ai une autre boule dedans. Ouais. Ah, mais non, ok. Oui, bah oui, c'est parce que là, je suis dans la verte. La orange est dans la verte et la verte est dans la orange. C'est pour ça que je les vois en double. Dac. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah! On descend là. Pas mal. Ok. Ah! J'ai un mur invisible ici, d'accord. D'accord. Où dois-je me diriger? Je vais dire me digérer. Pff. J'ai des murs invisibles absolument partout ici. Ok, mais alors... Comment je... Si je mets ma boule verte dans ma boule orange, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas l'utiliser, le pouvoir de la boule verte, là, normalement. Eh bah ouais, non. Mais du coup, là, je... Je peux pas faire... Ah, ça y est, bah ça y est. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Récupérer ma boule verte... Que ça peut pas me remonter là où j'ai ma boule orange. Je crois avoir compris un truc, mais je vois pas comment le mettre en œuvre. Parce que ça, quand je vais le descendre ici, je vais pouvoir le réatteindre et le remonter. Le problème, je sais pas comment faire. Si je fais ça. Ah, ok. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Oui, mais j'ai besoin de ma boule verte. J'ai besoin d'avoir deux boules vertes. Comment je fais? Non, là, si je mets ma boule orange, ma boule verte dans ma boule orange, là, c'est finito. Là, je l'ai plus. Bah ouais, mais non. Comment je fais? Voilà, je me mets avec ma boule orange. Ah, attendez. Là, je peux pas. Ah, bah voilà, c'était ça, tout simplement. C'était vraiment tout con. C'est souvent ce que je me dis. C'était vraiment tout con. Bah voilà. C'était tout.
Ah, je peux aller ailleurs, là? Alors, ça me permet de voir un petit peu en amont. Je suis pas sûre que je vais le finir ce soir. Par contre, c'est dommage parce que je pense que j'en ai pas pour longtemps, mais je suis crevée, j'ai envie d'aller me coucher. Ça fait depuis une heure que je me force un peu à continuer alors que j'ai envie de dormir. Ok. Ouf. D'accord. Ah, ce truc-là, à chaque fois, ça me fait bizarre. Putain, j'ai des murs invisibles de partout. Ah, je peux redescendre par là. D'accord. Mais ok, ça me sert à quoi de descendre par là? Ah, allez, actionnez ça. Ok, très bien. Bon, je vois pas trop quoi faire d'autre que ça, donc j'imagine que c'est ça qu'il faut que je fasse. Deck. Ah! Là, ça va me ramener au niveau de ma boule verte. Ok, intéressant. C'est peut-être pas encore le moment. Attendez, on va aller sur la droite d'abord. Ça me fait rien. Ah oui, ok. J'ai pas encore ce qu'il faut pour passer par là. D'accord, très bien. Ça méritait d'aller jeter un coup d'œil quand même. Donc on va sur la gauche. Paf, pof, piouf. Ah, nous y voilà. Donc, où est-ce que j'ai le code? Merde, je vois pas où sont les symboles. Ah, en bas là, dans le reflet. Triangle. Mais par contre, c'est dans quel ordre? Losange. Alors ça va être losange, triangle. L'espèce de soleil. Et ensuite... Mince! Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Oups. Reviens, reviens, je me suis trompée. Bon. Tu as dupliqué les boules. Non, t'inquiète. Non, pas plus que ça. Alors attends, triangle, je crois que c'est... Je me souviens plus déjà. Triangle. Non! Bon. Bah c'est juste que là, je suis dans le monde vert. Donc j'ai une boule verte à l'intérieur. Parce que je suis dans le monde vert. Ça fait une mise en abîme en fait. Et j'ai une boule orange dedans. Donc ça fait losange. Il faut regarder le reflet dans l'eau. Triangle. Losange, triangle, et ensuite... Espèce de soleil, je vois pas tout le code. Ah! Ah non, c'est là, en bas. Waouh, c'est compliqué. Hein. Donc c'est losange, les ailes... Ensuite triangle, je suppose, triangle...
Ah mince, du coup je t'ai lu, j'ai oublié ce que je t'ai dit. Donc losange. Pour moi ça c'est des ailes. Triangle, losange, aile, triangle. Ensuite ce sera le soleil, alors attends. Losange, les ailes, triangle. Oh non! Bon, c'est pas grave, je recommence. Ok. Losange, les ailes, triangle, ça, et le soleil. Pour moi, c'est ça. Ah non, c'est pas ça? Oh merde! Comment ça se fait? Alors c'est... Ah, c'est peut-être de droite à gauche, du coup. Alors du coup, ce serait l'inverse. C'est peut-être de droite à gauche. Donc ce serait soleil. Soleil, ça. Triangle, les ailes. Et ça. Ah, pfff. Ok, super. Je peux pas marcher pour aller voir? Vraiment que j'essaye de me débrouiller là? T'es sûr de ce que tu dis là sur le chat? Triangle. C'est ouf parce qu'il y a un des symboles que je vois pas. Non, c'était pour t'embrouiller ça. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a un des symboles que je vois pas. J'en ai un, deux, trois, quatre. Et je vois pas où est le cinquième. En bas, tout en bas là. Ouais, il est dur à trouver. Tout en bas là, à droite, à côté du pilier. Je sais pas si tu vois. Là, il est vraiment. T'as un pilier là. Juste devant moi, t'as un pilier. Tout en bas, tu continues et tu regardes à sa droite. Et t'as les ailes là. T'as le reflet des ailes. Il faut le chercher, hein. Alors moi j'appelle ça les ailes, mais après je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Et du coup il manque le soleil dans tout ça, mais je vois pas où est-ce qu'il est le soleil. Ah oui, bah du coup tu n'aurais pas inversé ailes et losanges? Non, je crois pas. Je crois pas, peut-être, mais je crois pas. Moi je pense que le soleil ça doit être le premier. Est-ce que c'est de gauche à droite ou c'est de droite à gauche aussi? C'est ça le truc. Est-ce que ça commence par losange ou est-ce que ça termine par losange? Du coup, pour moi c'est soit soleil, ça, triangle, les ailes et losange. Sauf que c'est pas ça. Donc, losange, les ailes, triangle, ça et ça. C'est pas ça. Donc, triangle, losange, pardon. Ça, ça, ça et ça. C'est pas ça. Du coup, ça, ça, ça. Bordel de chiottes. Ouais, on sait pas, hein. C'est trop bizarre. Ou alors à moins que là, il y ait
que 4 symboles sur 5, mais c'est pas normal, c'est pas logique, ça a jamais été comme ça. Je pense pas. Là, j'en vois 2. C'est trop bizarre. Où est-ce qu'il peut être l'espèce de soleil ? On est d'accord, tu le vois pas non plus, Poupou. Après, peut-être qu'il faut que je descende et que j'aille ailleurs. Peut-être que j'aille ailleurs. Attends, je peux passer par là ? Non. Ouais, non. Hein. Je peux revoir le troisième. Tac. En partant du bas, car je vois pas lequel c'est. En partant du bas. Je suis pas sûre de te suivre. Là, si tu regardes en bas, là, il y a les ailes qui sont cachées. À côté du poteau, là. Il y a un poteau juste en face de moi. En bas, sur la droite, il y a les ailes, là, qui est cachée. Ici, là, il y a le losange, qui est sur ma gauche. À droite, c'est les ailes. Ensuite... Oh, hey, salut, Marliline. Merci pour ton raid, c'est trop gentil. Comment ça va? Alors, attends. Nous sommes sur Cocoon. Je te fais un petit SO, quand même. Tu jouais à quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Ben ça va bien. Ça va bien. Je suis... Ben alors... Pardon. J'arrive plus à écrire. Qu'est-ce que je fous? Pourquoi? Ah voilà. Je suis sur Cocoon. Je sais pas si tu connais Cocoon. Moi je tue des gens. Ce sera notre petit secret. Désolé, j'ai lâché une caisse. T'as juste plus d'icône. Oh là là. Oh le Jean-Marie Bigard là, mon dieu. Non, c'est pas la même icône. Oh là là, t'as lâché. Nibi. C'est vrai que tu joues à Minecraft. Bah écoute, Cocoon, c'est un jeu d'énigmes et d'exploration. J'avoue, ça prend un petit peu la tête, là. J'étais en train de montrer à Poupou, ici présent. T'étais sur Tomb Raider 2, trop cool. Et alors, ça te plaît? Je suis en train de lui montrer la combinaison que je vois. Je sais pas si vous voyez. Dans le reflet dans l'eau, il y a des espèces de symboles. Là, par exemple, sur ma gauche, il y a un losange. Ensuite, là, sur ma droite, il y a un autre symbole en bas, à côté de ce poteau, là, sur la droite. On dirait comme des ailes. Ailes, losanges. Ah, tu penses que ça commence par les ailes? Ah oui, c'est pas con ce que tu dis. Ailes, losanges. Du coup, triangle. Là, il y a un triangle. Et... Il est un peu difficile à prendre en main car c'est un vieux jeu, mais c'est cool sinon. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est vrai que... Putain, attends, Tomb Raider, c'était PS2 ou PS1? Je me souviens plus. Alors du coup, ce serait... Là, vous voyez, on doit faire la combinaison de codes qu'on vient de voir. L. Losange. Du coup, ce serait ça. Triangle. Et ça. Non, je crois pas. Alors... L, losange, triangle, ça et soleil. Il y en a un qu'on n'arrive pas à voir en fait. Il m'en manque un sur les 4 que j'arrive pas à voir dans le reflet dans l'eau et du coup ça nous fait galérer. Ah mais attendez! Ah bah voilà, tu le vois là. On le voit mieux là, l'aile. Ah! Donc c'est le soleil, le premier, ça y est, on l'a vu.
Il est là à droite, je sais pas si vous voyez. Je profite de mes vacances. Un peu pareil, je profite de mon dernier mois avant la reprise du travail. Mais oui, PS1, d'accord. Et oui, tu as bientôt commencé ta formation cuisine. Enfin, cuisine, non, pardon, pâtisserie. Le soleil, l'aile, c'est bon, j'ai trouvé. Losange. Triangle. Et ça. Et là, ça va nous donner... Quoi ? Mais comment ça ? Non, mais là, c'était ça. Ah, ou alors, ça se termine par ça ? Parce que c'est pareil, on sait pas c'est quoi le... Par quoi ça commence réellement ? Alors, attends, ça commence par quoi ? Ça commence par ça ! Ensuite, triangle. Ensuite, losange. Et puis, le soleil... Ah ouais, ça doit être ça. Le soleil et les ailes. Alors, le premier, c'est ça. Triangle. Losange. Soleil et les ailes. Pff, putain, j'en ai marre. Oui, tout à fait. Trop bien. Et t'avais été faire des petites vacances en Espagne, c'est ça, non ? Il me semble que c'est en Espagne. Bon, bah alors du coup, c'est quoi le premier ? Ça commence par quoi ? Losange ? Triangle ? Ce machin ? Soleil ? Et les ailes ? Losange ? Triangle ? Mais ça, je crois que j'ai déjà essayé en plus. Soleil et ça ? Putain, mais on aura tout fait, c'est pas possible. Ah. Oui, t'es partie une semaine. Et là, je profite dès qu'il fait beau pour aller un peu plus à la plage piscine. Oh, t'habites pas loin de la plage ? Bon, alors, c'est L soleil. L soleil. Ce truc. Triangle. Losange. Est-ce que ce serait ça ? Soleil, ça, triangle, losange. Putain, je vais péter un câble. Ah mais il y avait lui, de quoi tu parles ? Tu as moins d'une heure, c'est trop bien. Waouh, je suis bien jalouse. Alors du coup, putain, je suis désolée, hein. T'es arrivé vraiment à un moment où je bloque. Je comprends pas dans quel sens je suis supposée faire. Droite, gauche, gauche, droite. Ça part dans tous les sens, monsieur les développeurs. J'ai l'impression qu'on a tout essayé. T'inquiète pas, je te rappelle, j'ai joué à Tunic, c'est une horreur. Ah oui, c'est vrai. T'as abandonné. Et finalement, la question fâcheuse. Tu peux refaire un tour, mais avec plaisir. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pas. Je sais pas c'est quoi le début. Et je sais pas si c'est droite-gauche ou gauche-droite. Dans la logique d'écriture, ce serait gauche-droite, mais en même temps, au Japon, c'est droite-gauche, et c'est de haut en bas, de bas en haut même, non ? Tunic, tu l'as fini ? Oh, je fâche. Ah oui, tu l'as pas fini, du coup. Outer Wilds. Mais, ouais, bon, écoute, c'est pas grave. En tout cas, le DLC, moi, j'ai kiffé de ouf. Peut-être même plus kiffé que le jeu, je sais pas, non, c'est pas vrai. Mais ouf, ça valait la peine. Ça, ouf, je sais pas. Soleil, les ailes. Soleil, aile. Le truc chelou. Triangle. Et losange. Soleil, aile. On va essayer.
soleil, L, ça, triangle et losange. Je suis presque sûre que je l'ai déjà fait, ça. Putain, oui. Losange, L, triangle, rond, moche, soleil. Je crois pas que ce soit ça, moi. Mais bon, on va essayer, vas-y. Losange, L, triangle. Non, parce que je crois que le soleil, non. Moi, pour moi, c'est ça, le soleil. Du coup, toi, c'est rond, moche, ça. Et soleil. C'était ça, hein, que tu voulais que je fasse. Oui, j'ai fini le DLC, ça y est. Je vais peut-être le mettre en point de chaîne. Tiens, de finir Outer Wilds. Bah, du coup, je viendrai te voir. Non, l'inverse. Ah, ok. Donc alors, ok, pardon, j'ai rien dit. Donc, losange, L, triangle, ça et ça. Eh ben non. T'avais le même soleil que moi, d'accord. Punaise. Losange, triangle. Putain, mais c'est terrible. Ensuite, soleil. Ça y est, je... Losange, triangle. Losange, triangle. Ça, soleil et elle. Mais comment ça, c'est pas bon? Je comprends pas. Ça me rend ouf. Ou alors c'est l'inverse. Bah oui, mais je l'ai déjà fait. Elle, soleil. Ça, j'ai déjà fait dans cet ordre aussi. Elle, soleil. Truc rond moche, comme tu dis. Triangle. Et losange. Elle, soleil. Réessaye. Elle, soleil. Ça. Et ça, je l'ai déjà fait aussi. Triangle. Et losange. Et encore un tour, je ne capitulerai pas. Mais non, mais attends, on est d'accord. Ça va pas du tout, cette affaire. Alors, par quoi j'ai pas commencé? Je peux tester de faire... J'ai pas commencé par triangle. Genre triangle, rond bizarre, soleil, L et losange. Et ça me paraît chelou. Pour moi, c'est, ça commence... Attends, quand t'arrives, le premier truc que tu vois, c'est ça, a priori. Du coup, pour moi, le sens, ça devrait être celui-là. Tu peux regarder depuis la base de photos pour voir quel est le bon prolongement. La base de poteaux. Attends, quoi ? Tu peux regarder depuis la base de poteaux pour voir quel est le bon prolongement. Si ce que j'avais dit tout à l'heure était dans le sens inverse. Je suis pas sûre de comprendre. Genre, je reprends là. Depuis la base des poteaux. Tu veux dire là-bas? Elle, soleil. Putain, je suis... Elle, soleil. Regarde les poteaux dans l'eau pour voir qui débouche où et avoir le bon ordre. Et ouais, mais on les voit pas tous, les poteaux dans l'eau. Alors attends, ah si, peut-être là. Qui débouche où? Bah, peut-être que... Oh non, je sais rien.
Je sais pas, moi je vois pas de sens au niveau du bas de la base des poteaux. J'y verrais un sens éventuellement à celui-là parce qu'il a une couleur jaune dessus. Putain. Losange, triangle. Là, franchement, je trouve qu'ils ont pas bien fait leur truc. Pour une fois, je me plains. Losange, puis triangle, puis L. Puis rond moche, et enfin soleil. C'est mon dernier mot. Mais je crois que j'ai déjà fait un... Hein. Losange. Triangle. L. Rond moche, soleil. Ah! Putain, merci. C'est que c'est l'autre sens, sinon je donne ma langue au chat. Putain, mais du coup, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Losange, triangle. Losange, triangle, L. Ah, ça faisait comme ça, en fait. Ok. Ah, c'était pas évident. Ça faisait comme ça. Bah, merci beaucoup, Poupou. Ok. Donc là, on a un petit drone. T'as vu ta connerie de tout à l'heure? Écoute, merci, t'as géré. Hop, voilà. Ça y est, enfin, on peut réavancer dans le jeu. Désolée et merci pour votre patience. Du coup, maintenant... Ah oui, donc là on va être embêté ici, évidemment. Parce qu'en fait, bon, je vous montre, hein, pour la science... Ça me bouffe mon petit drone. Voilà. Et j'ai besoin d'emmener mon drone ici pour que ça m'enlève ça. Alors, du coup, comme ça m'a bouffé mon drone, maintenant il faut que je le récupère. Du coup... Ah! Ah non, mais je sais en fait. Faut que je pose ça là. Ensuite, je débloque mon petit drone. Et yes, ouais. Enfin, on va pouvoir avancer. Et là, hop, ça me ramène dans la boule verte. Voilà. Voilà. Merci très cher. Vous êtes bien aimable. On remonte maintenant. Paf! Ah voilà, on va pouvoir se libérer de ça. Et redescendre. Schlack! Nickel. Elle est où ma boule orange du coup? J'ai oublié. Orange-rouge. Voilà, donc là... J'ai même pas expliqué... Le but du jeu aux viewers de Marlilyn. Mais en gros, nous sommes dans un monde. Ah ouais, où il y a plusieurs mondes. On se balade avec des petites boules qui ont des pouvoirs particuliers. Genre la boule verte me permet de faire ce genre de choses. Mais en fait, on est dans la boule verte. Du coup, je peux pas récupérer ma boule orange. Là, actuellement, nous sommes dans la boule verte. La boule orange, elle est quelque part ici, mais je peux plus la récupérer pour l'instant. Voilà, c'est ça. Là, à l'intérieur de ma boule, on voit ma boule orange. Et j'ai aussi une petite boule blanche, quelque part, mais elle est, pareil, bloquée ailleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Poupou. Ah! Oh non, reviens! Ah d'accord. Ah, il s'en va.
Ah oui, mais non, mais du coup, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien? J'arrive pas à savoir. Non, c'est pas ouf. En fait, il faut que je mette ça. Revenir. Magique, je crois que tu t'es bloqué dans la verte, Kappa. Oui, exactement. Là, je suis bloqué dans la boule verte. Mais je pense que c'est comme ça que c'est supposé se passer. Alors, attends. Donc là, elle va se faire défoncer. Mon drone va se faire défoncer. C'est normal. Je suis pas sûre de savoir ce qu'il fallait que je fasse là. Tu as eu Kappa plutôt que Emoticoon? Ah oui, apparemment. C'est pour ça que je comprenais pas. Bizarre. Attends, pardon. Putain, je comprends pas. Fait pas trop chaud chez toi, Poupou, ça va? Ici, il fait chaud. Il faudrait que je tarde pas à aller me coucher. Je réfléchis. Je reste en lurk, mais merci d'être passé, puis merci encore une fois. N'hésitez pas à aller follow Marliline. C'est super cool ce qu'elle fait. Moi j'aime bien elle la voir. Et là finalement, j'ai cru que je pouvais le leurrer comme ça. Merci pour ton lurk. Je vais pas tarder à aller me coucher moi en vrai. C'est gentil, merci. Avec plaisir. J'ai mon chat qui est en bas là, du coup je galère un petit peu ce soir. Sur mon téléphone. Je contente de te raid, j'ai pas souvent l'occasion. Bah clairement, moi c'est pareil, en fait j'étais pratiquement jamais raid. Purée, mais... Je peux rarement te raid parce qu'on n'est pas souvent sur les mêmes horaires. Puis je remarque que je termine souvent plus tard que toi. T'as jamais raid tout court de ton côté, mais en même temps tu viens de commencer à streamer, Poupou. Bon, c'est pareil, j'ai mis du temps avant de raid, hein. Bon, je vais tester un truc, ça va servir absolument à rien. Là, je... Ah bah oui, mais non, je peux pas. Putain. Je suis bête. Là, je sens qu'il y a la fatigue qui est en train de rentrer en jeu. Et que je n'arrive plus à gérer les énigmes. J'ai juste pas eu beaucoup de créneaux le mois dernier, mais ça fait quasi 2 mois. Ah oui, quand même. Putain. Ça fait quand même 2 petits mois alors. Ça te plaît de streamer, globalement? Mais oui, stream. Bon, alors là, I am blockier. De nouveau. De nouveau blockier.
Je pense que c'est tout con. Le pire de ça, c'est que je pense que c'est tout con. Pourquoi toi tu ne t'ouvres pas là ? Mais oui, mais bisous Merliline, merci beaucoup, merci encore. Hésite pas, faudrait un jour qu'on se fasse un truc ensemble. Ça me ferait plaisir en vrai. J'ai pas beaucoup de filles avec qui faire des trucs. Ça me ferait plaisir. Hésite pas à me contacter. Mais oui, on s'était déjà dit qu'on allait s'écrire sur Discord, puis au final on l'a pas fait. Il faut qu'on le fasse. Je ne sais pas quoi. Putain, là je suis paumée quoi. Si je pose ça là, bah, je peux plus remonter. Donc j'ai besoin de ça pour remonter. Bah oui, la vie passe. Bah ouais. Ouais, clairement. Puis moi j'ai pas arrêté de faire. J'ai plein de jeux multi en plus. Oui, puis on en a en commun. Le pire. J'ai vu que tu jouais à Lethal Company. Puis tu joues à Sons of the Forest. Mais bon, tu l'as peut-être fini. Puis t'as ton équipe sur Sons of the Forest. Et ouais, là, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre la Seine-et-Marne et puis Lyon à cause de tous mes problèmes perso du moment. Du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu moins été présente. Et j'espère que ce sera la fin. Parce que, ouais, perdre 4 personnes en un mois, j'avoue que, bon, un peu marre là. Létal, toujours un plaisir. Bah grave, moi c'est pareil. Tout à l'heure j'avais envie de lancer un létal en plus, mais comme j'avais personne avec qui le lancer, j'ai dit bon bah je vais lancer Cocoon. Ça fait des nœuds dans le cerveau en plus. Ah, tu joues à The Forest, pas The Sons of the Forest. Bah écoute, bon moi j'ai pas joué à The Forest, mais si jamais t'as envie de jouer à Sons of the Forest, je l'ai. On fait beaucoup hors live si ça t'intéresse. Bah oui, il faut juste que ça me va au niveau de mes horaires parce qu'en ce moment je travaille jusqu'à la fin du mois d'août. Après ce sera tranquillou. Bon là j'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne plus. Je crois que je vais abandonner et aller me coucher. J'ai envie de tester un truc quand même. Si là je fais ça et que je fais ça. Et eh ben voilà, c'était juste ça. C'était juste ça, les amis. Ça va devenir une nécessité, tu penses? Par contre, moi, j'ai pas les mods sur Lethal Company. Je sais pas comment les installer. Il faudrait que j'apprenne à faire ça. Bon, alors là, du coup, je pense que... Je sais pas. Là, peut-être qu'on s'en fout maintenant de mon petit drone. Ah, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, là, c'est bon, j'ai compris. C'est ça que j'avais tout à l'heure, mais que j'avais pas là. Ok, et là, je prends ça, et là, ça me fait sortir dans ma boule. Et maintenant, c'est bon. Écris-moi et je t'explique. Ah bah oui, avec plaisir. Pour jouer en multi avec des gens ou d'autres streamers, bah oui. Bah en vrai, Poupou, c'est pareil, il faudrait qu'on se fasse ça un jour. On pourra se faire un VOC. Bah oui, je vais y jouer justement là. Ah ! Et profite bien alors. Ah, faut récupérer la petite boule verte. Profite bien de l'étal. Vous avez... Ah bah voilà, elle est là ma boule orange. Vous avez l'air d'être une bonne petite bande d'amis qui rigolait bien. Tu as l'air pour de vrai cette fois. Oui, merci d'être resté. Désolée de t'avoir accaparé. Et puis merci pour ton lurk. Bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais dans la boule orange peut-être.
Ciao, tu t'en vas aussi, Poupou? Du coup? Ah mais non, d'accord. Pff, pardon, ça a mis... C'est marrant, quand tu mets des emoticons, des emotes, ça me met les noms. Du coup, j'ai cru que tu me disais au revoir parce que ça m'a fait un kitsu. Mais pas du tout. Excuse-moi. Alors, quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Ben non, mais ici, on est bloqué, hein. Donc, je crois que c'est la fin. Dans la boule orange, il n'y a plus rien à faire. Ouf, c'est pas dans la boule orange, la suite. Faut retourner de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais voilà ce que je dois faire, tout simplement. Réouvrir ici. Tu restes un peu, mais oui. Il a tout loupé, Twitch. Dès que je mets un emote, il ne l'affiche pas. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Hop. Allez, je tac. Hop là. On retourne de l'autre côté. Voilà, j'ai mis ma petite boule dans ma boule pour n'avoir apporté qu'une seule boule. C'est plus pratique quand même. Ça y est. Et ensuite, on repart. Voilà, on repart de là où on vient. Je pense qu'on va pouvoir bientôt récupérer notre petite boule blanche. Où est-ce qu'elle est, notre boule blanche, déjà? Ah oui, elle était là-bas. Ah bah voilà. Ça, ça va nous l'ouvrir. Et je vais pouvoir récupérer ma boule blanche. A priori, elle est là. Ce qu'il y a juste, c'est que je ne sais pas trop comment la ramener, ma boule blanche, du coup. Bah non, bah c'est pas là que je veux. Peut-être pas, hein. Ah, mais si! Je crois que je sais. Là? Ah non, pas du tout. Comment je fais? Trop de boules, oui. Oui, c'est ça, son pouvoir à la boule blanche, elle tire des boules de feu. Elle est trop bien. Je l'aime d'amour, cette petite boule. Je suis triste qu'elle soit coincée ici. Ah, mais c'est là la suite du jeu. Ok. Ok. Oh! Oh! Ah, je suis de retour ici. Ok, je suis choquée. D'accord, bah je vais aller ramener mes petites boules. Ah bah non, je peux pas. Ah, je peux ramener ma blanche. Je vais ramener ma blanche. Pardon, j'ai mon nez qui me gratte en ce moment. À tout moment, tu vas... découvrir une nouvelle zone immensément grande. Ouais, c'est fort probable, effectivement. Mais j'ai perdu mon drone. Parce que j'ai besoin de mon drone pour ouvrir là. Il est où mon drone? Ok, il est parti parce que j'en avais plus besoin, je pense. Ah non, mais en fait, faut que je ramène mes boules, je sais comment faire. Mais du coup, ça va être long. Faut que je ramène mes petites bouboules. Viens là, toi. Ok. Et tu vas te rendre compte que tu es loin de la fin du jeu. Je sais pas. Franchement, je doute. Je sais pas, on verra. Écoute. Bah, si c'est ça, je vais me coucher direct. Hein. Je te le dis. Voilà, on pose ça. Je vais mettre une boule dessus. Ah bah c'est bien, j'ai tout dans ma boule orange, c'est parfait. Hop. Ma petite boule blanche. On tire. Là vraiment, si je continue, c'est juste pour pas avoir à refaire un stream d'une demi-heure dessus.
Parce que je me dis au cas où, si jamais. Voilà. Ensuite, on va récupérer notre petite boule orange. Voilà. Ah bah elle est repartie toute seule. D'accord. Le nombre de titres faciles à faire dans ce que je viens de dire. J'hésite à faire un truc juste pour voir. Peut-être que je l'avais déjà fait tantôt et que je m'en rappelle plus. Bah bon. Pour la science, faut aller tester. Hop. Si je fais ça, ça donne quelque chose ou pas? Je crois pas. Non. Je dirais pas. Par contre, est-ce que j'ai un endroit où je peux récupérer un drone? Pas ici, je pense pas. Ma boule violette, j'en viens. Ma boule blanche. Qu'est-ce qui se passe si je vais à l'intérieur de ma boule blanche? Ah oui, je suis là, c'est vrai. Ah ouais, je peux pas faire grand-chose ici. Donc c'est pas dans la boule blanche la suite. La boule verte, je pense pas, parce que j'en reviens aussi et que je crois que j'étais bloquée. Ouais, hein, c'est ça. Je peux pas avoir de drone ici, je pense pas. La boule orange, je suis bloquée. Et la boule violette. On va voir la boule violette. Mais en vrai, j'ai tellement le seum que ma carte bancaire soit bloquée pour Steam. Sinon, les Tal et Life is Strange seraient déjà dans ma bibliothèque. Comment ça se fait que ta carte bancaire est bloquée alors? Ouais, non, hein, ici je peux pas avoir de drone non plus. Bon, bah voilà, c'est réglé. Du coup, ça doit être de l'autre côté là qu'il faut continuer. Ici. Alors. Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à avancer? Peut-être qu'il faut que je mette une boule là. Parce que là, il y a pas grand-chose, quoi. Hein. C'est juste... Là, je pense que je suis vraiment à la dernière porte. Et une fois qu'on ouvre, à mon avis, je termine le jeu. Je pense. J'ai pas 18. Oh! Oh, attends, je peux descendre, là? T'as pas 18, donc ma carte n'est pas adulte et nécessite un contrôle, mais seulement pour Steam. Ah bon? Ah, je savais pas. J'ai envie de tester un truc. Je pense pas que ce soit ça, mais... Ok, je pense que c'est ici du coup. Alors attendez, je teste. De mettre toutes les boules dans une boule. Donc la boule violette m'a l'air pas mal parce que... Ouais, du coup, je les ai sorties pour rien. La boule violette m'a l'air pas mal parce qu'il y a suffisamment d'encoches pour les déposer. C'est pas cool pour moi, bah ouais, c'est clair. Bon, je fais peut-être ça pour rien, je sais pas trop. Orange. Et ma boule blanche maintenant. Ok. Et genre même avec ton... C'est pas juste que ça demande l'autorisation avec ton téléphone au niveau de ta carte bancaire pour que tu donnes l'autorisation. Ok, donc j'ai envie de tester ça pour le déposer là. Mais pour moi c'est pas ça, non. Ah! Ok, c'était ça. D'accord, vas-y.
Okay. And now, what is happening? Qu'est-ce qui est supposé se passer? Ah, faut peut-être que je les mette dans cet ordre-là. Vert, violet, blanc, orange. Alors, attends. Ça doit être ça. Vert, violet, blanc, orange. Merde. Ok, donc il faut que je les ressorte. Donc c'est le violet dans vert. J'ai acheté Minecraft, c'est passé tranquille car c'est Mojang. Mais Elden, j'ai pas pu et aucun message, juste un paiement refusé. Alors que j'avais le double de ce qui était demandé. J'ai dû passer par ma madre qui m'a sauvé ses belles heures de jeu en passant avec sa carte en remboursant après. Ah putain, c'est relou. Ah. Je pense qu'il fallait que je les sorte toutes. Mes boules. Ouais. Oh. Pardon, j'ai du mal à réfléchir, du coup je fais ça pas dans le bon ordre. Bon, on retourne là-bas. Ok. Donc, je dépose ça. Je retourne là-dedans. C'est pour ça que je fais des achats occasionnels. Bah oui, je comprends. Bien, je dois faire tapis avec un panier préparé à l'avance. Mais non, j'avoue que je faisais pas autant d'achats en ligne, je pense, quand j'avais 18 ans, parce que ça arrivait moins. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu ce genre de problème avec ma carte jeune. En plus, ma carte bancaire, ma carte jeune, j'ai gardé pendant super longtemps. Bah, en fait, j'ai gardé jusqu'à cette année. J'ai 34 ans. Et c'était la même que j'avais à 18 ans. Même avant. C'est peut-être juste ta carte qui est pourrie et qu'il faut que tu changes. Hein. Bien, je dois faire un... Attends, pardon. Non, mais j'ai 4 jeux que je veux. Il y en a pour 30 euros. Donc, attendez. Pardon. Vert, vieux, vert, violet, blanc, orange. Donc, le violet... Non, violet dans la boule verte. Violet dans la boule verte. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. On va voir. Violet dans la boule verte. Ah mais non, je peux... Parce que pour après aller dans le violet... Ah mais non, mais faut pas que je commence comme... Oh, je suis désolée, j'ai le cerveau en compote. Faut que je commence par à l'envers. Elle est neuve, j'ai déjà eu... Elle a changé, ça marchait pas avec l'autre ni avec celle actuelle. C'est un paramètre à régler avec la banque. Ouais, c'est ça. Orange, blanc. Donc orange dans blanc. Alors je prends ma boule blanche. Hop. Voilà. Ensuite, je mets l'orange à l'intérieur. On y va. Ah oui. Du coup, là, en plus, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Voilà, c'est ça. Il me faut l'orange pour le faire. Orange que je dépose là. Je sors. Je retourne de l'autre côté. Orange dans blanche, c'est fait. Ensuite, c'est blanche dans violet. C'est ça. Non, non, non! On dépose la violette. On met la blanche et la orange dans la violette. C'est vraiment les poupées russes, là. Et on dépose ça ici. Voilà.
Et ensuite, la boule verte. On dépose la boule violette dans la boule verte. Ouais, c'est ça. Bah, faudrait peut-être que tu demandes un rendez-vous à ta banque et que tu essayes de voir s'ils peuvent pas te l'arranger. Et bon, là, normalement, c'est bon. Oh, est-ce qu'on a fini le jeu ? À minuit 7. Oh là là. Oui ! Tout à fait. Alors je pense que je vais avoir un boss final. Oula! Peut-être la fin du jeu ou un tout nouveau chapitre. Ouais c'est ça, c'est soit l'un soit l'autre. Et si c'est un nouveau chapitre, là je... J'arrête. Vert, violet, blanc et orange. C'est nos petites boules. Oh. Non, on est au retour comme au début. Voilà, on a évolué, c'est ça? Ah, c'est les viates. Gravité. On a toutes nos petites, nos petits mondes différents. Ouais, c'est vraiment un outer wild. Ça, c'est l'œil de l'univers. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Architecte cosmique, la fin et le début. Ah bah voilà. La musique est trop bien. Ah, la musique elle est trop cool.
fait avec F-Mode, la musique. Annapurna. Ah, ils sont bons, hein. Trop bien. Génial ici. Je suis contente d'avoir trouvé l'énigme de tout à l'heure. Bah ouais, ouais. Merci beaucoup de m'avoir aidé. J'avoue. Tu m'as carry. Et bah voilà. Le jeu est fini. C'était trop bien. Franchement, il est génial. Pouah. Et bah voilà. Au départ, j'avais pas tout ça. J'avais juste... j'avais rien du tout. J'avais que des lumières. Et au fur et à mesure qu'on a détruit les boss qu'on voit là, eh bien, j'ai eu les boss qui se sont affichés. Du coup, c'est comme ça que j'ai su que j'étais proche de la fin, parce que j'avais 3 boss sur 5. Donc bon, je me disais bien que ça sentait la fin du jeu. Mais merci. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Pour ça que je te disais que je pense que j'en étais vers la fin. Mais alors du coup, attends, je vais regarder combien d'heures j'y ai passé. J'y ai pas passé tant d'heures que ça, hein, dessus. Attends, c'est tout ? 7 heures. 7 heures de jeu. 6,8 heures. Bah, c'est un petit jeu, hein. 7 heures pour le terminer, bah trop bien, j'avais envie d'un nouveau petit jeu, alors super. Ouais, j'aurais pensé un peu plus, j'aurais pensé 10-15 heures. Bah non, tu vois, il a fallu 2 streams. Ça peut te donner une idée du coup si t'as envie de te faire un petit jeu tranquillou, mais bon, t'as quand même vu pas mal de mécaniques. Je sais pas si ça t'intéresserait de le faire, mais en tout cas, moi je le conseille, il est vraiment chouette. Et pour le coup, je l'ai eu pour pas cher, hein. Je sais plus combien est-ce qu'il était, mais je crois à 4 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 8 heures. Bon, c'était pas loin, tu me diras, 8 heures. Bah, c'était 7 heures. Road 96, c'est court aussi. Ça vaut le coup de le refaire une seconde fois. Il me semblait que c'était quand même assez long, Road 96. Je sais pas, j'avais vu Antoine Daniel jouer dessus. Il avait quand même passé un petit moment, hein. Je sais plus combien de streams ça lui avait fait, mais ça lui a fait au moins 3-4 streams. De peut-être 3-4 heures. Mais bon, peut-être pas. En 2 après-midi, t'avais fini ? Ah ouais, carrément. Après, ça dépend peut-être du chemin que tu prends. Parce que je sais que t'as vraiment une multitude de chemins disponibles. Et du coup, en fonction... Bon allez, moi je vais vous laisser pour pouvoir être en forme demain pour le travail. Bonne nuit, passez une bonne nuit. Pas une bonne soirée, là c'est la nuit. Donc passez une bonne nuit et puis on se retrouve tout bientôt. Merci pour tout. Ciao. Bye bye.